Ce matin, le bilan du Covid-19 s'est encore malheureusement alourdi en France et les transferts de malades se poursuivent mais à un rythme ralenti. Plus de 6500 morts en France, près de 5100 dans les hôpitaux, plus de 1400 dans les EHPAD. Hier, le pays a connu sa journée la plus mortelle avec 588 nouveaux décès. Et pour éviter la saturation complète des services de réanimation, les transferts de malades se poursuivent. Dans les Pays de la Loire, par exemple, on voit affluer des patients en provenance, bien sûr, d'Île-de-France et du Grand Est. Charles Guyard est à Nantes pour Europe 1. Dans les hôpitaux, le personnel fait face entre système D, solidarité et fierté. Quand on a extubé les deux premiers patients de la région Grand Est, j'ai bien senti une forme de fierté, d'émotion partagée. Un malade en rémission, un autre qui rentre chez lui, c'est aussi cela la réalité de la crise et ces bonnes nouvelles qui gonflent le moral des soignants dans les Pays de la Loire. Des soignants parfois novices qui apprennent en accéléré, comme dans le service de réanimation du CHU d'Angers, dirigé par le professeur Alain Merca. Nous avons mis en place pour les infirmières qui viennent travailler en réanimation alors qu'elles n'en avaient pas fait depuis très longtemps, des formations très accélérées sur une demi-journée et on veille dans la constitution des équipes à ce qu'il y ait tout le temps une ou deux infirmières très expérimentées qui rassurent leurs collègues. Et des collègues qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Jean-Claude Lacherade est chef de réanimation à La Roche-sur-Yon. Mais il a fallu effectivement apprivoiser entre guillemets les uns les autres et se connaître assez rapidement puisque naturellement on a été impacté très vite aussi. On a essayé de limiter au maximum de garder les mêmes rotations d'habitude en termes de personnel soignant en limitant la surcharge de travail pour effectivement qu'elle ne soit pas épuisée très vite. Depuis le 26 mars, c'est le premier TGV médicalisé reliant Strasbourg à Nantes. 75 malades originaires de l'Est et de l'Île-de-France ont été hospitalisés dans les Pays de la Loire. Nantes, Charles Guyard, Europe 1.